Bienvenue à tous dans cet épisode spécial de Clapotis. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'œuvres littéraires à préparer pour le bac de français. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de techniques littéraires, de citations à retenir. Non, nous aborderons un sujet d'une importance capitale à mes yeux, le harcèlement scolaire. Vous allez me dire, pourquoi parler de cela chez Clapotis ? Eh bien, tout simplement parce que en cette semaine du 25 mars 2024 se déroule le Podcaston, le plus grand événement caritatif qui rassemble la grande famille des podcasts francophones. Alors, pour Clapotis, j'ai pris mon micro, mais je ne suis pas seule. Avec tous les amis podcasteurs du label Tout Savoir, on a donc pris nos micros pour parler du harcèlement scolaire et surtout des associations qui œuvrent au quotidien pour lutter contre ce fléau. Dans les couloirs de nos écoles, dans les salles de classe et jusqu'à la maison, un ennemi silencieux rôde, discret mais dévastateur. Ce fléau, c'est le harcèlement scolaire. Il peut prendre diverses formes. Moqueries, insultes, exclusions, agressions physiques ou cyberharcèlement. Ces actes ne font pas qu'effacer des sourires, non. Ils brisent des rêves et détruisent des vies. Les enfants et adolescents, cibles de moqueries et d'agressions, portent en eux une souffrance, souvent difficile à repérer, parfois même invisible. Et pourtant, cette souffrance pèse très lourd sur leurs jeunes épaules. Face à ce fléau, le silence est notre pire ennemi. Trop souvent, les victimes se taisent, par honte, par peur des représailles. Les témoins, de leur côté, ferment les yeux, par crainte de devenir la prochaine cible. Et pendant ce temps, le harcèlement continue et se répand jour après jour. Il est temps de briser ce silence. Il est temps de parler, d'écouter et d'agir. Si vous êtes témoin de harcèlement, ne détournez pas le regard. Si vous êtes victime de harcèlement, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en à un adulte en qui vous avez confiance. Un enseignant, un CPE, un assistant d'éducation. Tout autre adulte du collège ou du lycée, ou encore un membre de votre famille. Il existe aussi des associations qui luttent contre le harcèlement. e-Enfance d'abord, avec son numéro gratuit, ouvert de 9h à 23h, le 30-18. Il y a aussi Parle, je t'écoute. Association Plus Fort. Les Outsiders. Onde Bleue. Ou encore Biker contre le harcèlement. Tout le monde peut agir contre le harcèlement. Il faut aussi être à l'écoute. Il ne faut jamais minimiser la parole des victimes. Laisser l'enfant ou l'adolescent s'exprimer sur ce qu'il traverse sans l'interrompre, puis ensuite le rassurer et agir. Les professionnels de l'association e-Enfance peuvent vous aider concrètement. Par exemple, en supprimant d'Internet une vidéo de harcèlement, en quelques heures seulement. Ensemble, nous pouvons faire de nos écoles des lieux de sécurité, de respect et d'apprentissage pour tous. Ensemble, brisons le silence. Ensemble, mettons fin au harcèlement. Ensemble, construisons un avenir où chaque enfant peut apprendre et grandir sans avoir peur.